Vous connaissez Laurent Gérard ? Pas du tout. C'est la première fois que je le rencontre. Ça fait trois fois. J'en ai entendu parler, mais il a des voix qui changent à chaque fois. Oui, donc je me demande qui est ce personnage. On a besoin des voix. Vous comme moi. Plusieurs. Ouais. Eh bien, on va trouver la voix. Dans RTL un... matin. 7h, 9h30, Vincent Parisot. Alors, sous le regard de François Hollande, le vrai Laurent Gérard est donc là, avec ce matin notamment François Bayrou. Je suis très heureux d'être ici en présence de mon nouvel ami François. On se fait un mimi ou c'est trop intime? Une fois de plus, je vais peser de tout mon poids et de toute ma personnalité dans l'histoire de ce pays. Je ne suis pas de gauche, mais quand même. Je suis avant tout du centre. Et le centre est vital, monsieur Parisot, car l'obélisque est au centre. Au milieu du cercle, il y a le centre. Le nombril est au centre. Le nez, qui a deux trous, un à droite et un à gauche, est au centre. Et même le trou de balle est au centre. Et tout le monde le sait, sans trou de balle, on ne peut pas vivre. Mais cette décision, je ne l'ai pas prise tout seul. Mais en concertation avec Morissette Gouttebarge, qui est en charge des retournements de veste au MoDem. Alors hier, sur cette antenne, votre adversaire était à cette place et Jean-Michel Apathy, fidèle à sa réputation d'intervieweur sans concession, lui a posé la question qui fâche. Nicolas Sarkozy, bonjour, au soir du 6 mai. Que comptez-vous faire si les Français ne vous reconduisent pas la fonction suprême? Écoutez, Jean-Michel Apathy, vous savez, j'ai toujours aimé la pétanque. Alors je compte bien profiter de mon temps libre pour être président de l'amicale bouliste de Neuilly. Et concrètement, quel président serez-vous? Moi, président de l'amicale bouliste? Je ne participerai pas à des collectes de fonds pour payer l'apéro après les parties. Moi, président de l'amicale bouliste? Je ferai arbitrer les parties de manière indépendante. Je mesurerai au millimètre près la distance entre le cochonnet et les deux boules les mieux placées. Moi, président de l'amicale bouliste? Je n'aurai pas la prétention de nommer des chefs de doublette. Moi, président de l'amicale bouliste? Je ferai en sorte que mon comportement sur le boulodrome soit à chaque instant exemplaire. Et je ne traiterai pas mon adversaire de menteur ou de nulard. Moi, président de l'amicale bouliste, je constituerai des doublettes qui seront paritaires, autant de femmes que d'hommes. Moi, président de l'amicale bouliste, les joueurs ne pourront pas cumuler leurs fonctions. Ils devront ou tirer ou pointer. Moi, président de l'amicale bouliste, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue quand le boulodrome sera accidenté ou tout bosselé. Enfin, moi, président de l'amicale bouliste, j'interdirai à Dominique Strauss-Kahn de sortir les siennes. Bonjour Dominique Besnéard. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Oh, c'est pas facile à dire. Ah ben oui, hein. Si vous étiez appelée Martine, ça aurait été plus facile. C'est sûr. À deux jours du premier tour, comment vous sentez-vous, Dominique? Jeanne, c'est stress. Vous pouvez pas imaginer. Bah, écoutez, pourtant, François Hollande, que vous soutenez, est donné favori par les sondages. Les sondages. Mais enfin, Mademoiselle Jeanne. Avant le premier tour, il prédisait une abstention massive. Les sondages, un score sensationnel pour Mélenchon. C'est vrai. Ah, c'est pas facile à dire. C'est dire qu'il n'y a pas confiance en eux, assez. Visionnaire de sondeur. Et dans l'entourage de François Hollande, quelle est l'ambiance alors? Mais enfin, on n'est plus en 2007. Cette année-là. J'étais le coach de Ségolène. Je connaissais tous ses petits secrets. Je partageais ses soucis. Je faisais ses confidences. Je donnais des conseils. Oui. Pour sa coiffure, on causait chiffon. Mais c'est fini tout ça. Oui, oui, c'est fini. Vous avez vu comment elle s'est rabibochée avec François? Oui. Il paraît même qu'il se téléphone. Si. Je ne sais pas ce qu'en pense Valérie Trierweiler. D'ailleurs, je suis sûr que c'est Massiego qui l'a coaché pour le débat, mon François. Moi, président de la République, prononcé 16 fois, on voit de qui ça vient. Et c'est tout? Non, c'est pas tout. Ah. Julien Drey, il m'a même pas invité à son anniversaire. Il a préféré souffler ses bougies avec Dominique Strauss-Kahn. Avec Anne Sinclair, avec sa choucroute des Feux de l'amour, Moscovici, Valls et compagnie, une jolie chauterie. Mais alors, vous devez être très déçu d'être ainsi mis à l'écart, Dominique Besnéard. Absolument pas. Ah. Absolument pas. Mm-hmm. D'ailleurs, je me suis fait une nouvelle copine, Juliette Gréco, qui soutient François, comme moi. Ceci dit, c'est grâce à elle que j'ai compris que je ne faisais plus partie du premier cercle. Mais comment ça, Dominique?
au grand meeting de Toulouse hier. J'avais proposé qu'elle chauffe la foule en chantant un de ses tubes. Et ben, je sais pas pourquoi François a refusé. Oui, mais de quel tube il s'agissait ? Déshabillez-moi. Alors, c'est officiel, Patrick Sébastien a déclaré qu'il voterait pour François Hollande. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Patrick ? Salut ! Salut, Patrick. Salut, mon fanfan. Putain, j'adore. J'adore parce que c'est pas le dernier pour la déconne. Et tu te souviens, les troisièmes mi-temps après les matchs à Brive, quand tu faisais pas ton régime Biba, c'était génial. Alors attends, à propos de troisième mi-temps, laisse-moi m'occuper de celle de dimanche soir. On va faire la fête, putain, ça va être génial, mais ce sera à ton image. À savoir, pas au Phuket, mais dans un quartier populaire. On a déjà tout organisé avec Julien Drey. Rue Saint-Denis, dans un sex shop reconverti en restaurant. Génial. Et là, je m'occupe de la progression, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Tu vas pas être déçu. J'ai des numéros visuels de gauche incroyables. Les Strauss-Kahnos. Un numéro qui nous vient directement de New York. C'est un couple qui s'aime comme au premier jour. Elle est coiffée comme dans les feux de l'amour. Elle essaye de dompter un vieil éléphant du PS qui sort toujours sa trompe. C'est génial, non ? Dites donc, ça promet. Ouais. Hein. Attends, on peut finir. On voudrait y être. Attends, il y a un invité surprise. Bayrou, c'est Bayroupette. Oui. Il y aura aussi... Il est génial, c'est un nouvel ami de la famille. Il y aura aussi Valse et ses valseuses. Mmh. Moscovici et ses Moscovici. Oui, bah, c'est bon, on a compris. Putain, t'aimes pas la fête, toi. On dirait que t'aimes pas la fête, quoi. Parce que François Hollande, c'est un petit peu notre petit bonhomme en mousse à nous. Le petit bonhomme en mousse. Alors, pour cette dernière ligne droite, Jack Lang a voulu de façon désintéressée... Désintéressée, je le redis. Pousser la chansonnette, c'est vrai. C'est vrai, désintéressée. Et vous rendre hommage en vous faisant une petite surprise. Et comme tout grand événement, il s'est passé sur Radio Hollande. Le changement c'est quand ? Le changement c'est maintenant. Radio Hollande ! Radio Hollande ! Radio Hollande présente Jack Lang chante Stone et Chardin. Toi, tu ne changes pas. Tu as toujours la même tête. Toi, tu ne changes pas. Ta teinture est vraiment parfaite. Toi, tu ne bouges pas, tout passe au-dessus de ta tête. Toi, tu es comme moi, notre coiffeur est vraiment chouette. Il voudrait bien le pouvoir, François et tous ses amis, et un gouvernement made in sociali. Des lèche-bottes dans les canards, des urnes bourrées par au bris, et des tas de promesses made in sociali. Des profs made in sociali, des pauvres made in sociali. Un petit village plein d'amis. Et puis Mélenchon le rouge qui donne ses voix à François. Strauss-Kahn qui veut de l'amour et qui nous sort son zizi. Oh oui, Mélenchon le rouge qui donne ses voix à François. Strauss-Kahn qui veut de l'amour, l'amour made in sociali. C'est la politique qui nous fait vivre tous les deux. Et l'on est libre de partir demain où tu veux. C'est ça que j'aime, être partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et on s'en va. L'Aventura, c'est voter le 6 mai pour François. L'Aventura, c'est lui confier un beau quinquennat. L'Aventura, c'est peut-être enfin un poste pour moi. Et chaque jour que Dieu fait, mon François, avec toi, c'est l'Aventura. Radio Hollande. Jack Lang chante Stone et Chardin en partenariat avec Radio Hollande. Laurent Gérard sur RTL face à François Hollande. On vous a vu et entendu rire d'ailleurs, monsieur Hollande.
Oui, je sais maintenant ce que je vais confier à Jack. C'est bien, c'est pratique. Merci beaucoup, Laurent. On peut trouver ce Radio Land va continuer après le 6 mai. C'est toute la question qui est posée dimanche. Exactement.